Previously, dans l'épisode qui précède l'épisode que vous allez voir juste maintenant. Détachez votre ceinture immédiatement. On a autre chose à foutre que de dealer avec des mineurs, ok? Si vous voulez faire un stage, c'est possible. Il y a du sang, il y a des morts. Je crois qu'on a le droit de prendre les ambulances maintenant. Vas-y, vous voulez conduire? Oui! En toi, route Daniel. C'est Antoine et Daniel. Non. Au secours! C'est très dangereux! C'est bon, il est de Daniel! Non, je suis pas dedans! Tu attends que je te dise que je suis dedans! Attache la ceinture! Et donc, du coup, je suis, le plan. Mais allez-y, c'est ici, je crois. Personne sur... Comment tu sais que c'est là? Et bah, j'ai regardé mon GPS. Ah, waouh, on a des GPS. Allez-y, garez-vous sur le bord. Et maintenant? On va aller se renseigner, savoir si le monsieur avec la camionnette a vu quelque chose. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut rentrer dans les voitures quand on est en ambulance. Ouais, ça, c'est vraiment le meilleur truc de notre métier. Bonjour! Bonjour! Where's the news? Comment allez-vous? Bah, très bien, et vous? Vous êtes blessé? Non, pas du tout. On a des beaux uniformes, vous avez vu? Vous cherchez des stagiaires? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Bon, on s'en fiche. Vous avez vu quelque chose? Ah, il pose des questions, je crois qu'il faut aller. Ah, moi, je fouille, hein. C'est pas du tout vous qui avez fait l'appel. Absolument pas, non. Ouais, une smart. Incroyable. Wesley News, nous cherchons de la formation, pas de la désinformation. C'est bien. Pas de stagiaire. Est-ce que vous pouvez rappeler le numéro, s'il vous plaît, Groot? Je les appelle. Ça répond pas? Peut-être qu'ils sont morts, hein. Bah, sinon, on s'occupe du prochain, celui d'une minute. À l'aéroport. Allez-y, prenez-le. Attachez vos ceintures. Ça va déménager. Attention. Faites attention quand même. Non, on nous a dit on pouvait faire ce qu'on voulait, nous. On était la figure d'autorité. Oui. On nous a dit on a tous les droits. Ouais, c'est pour ça qu'on voulait faire ça. Bah sinon, on n'aurait pas alors, fait ça. Faites attention. Attention quand même. Je conduis trop bien. Je suis en face d'une Furious. Vous auriez dû passer par en bas parce que ça a l'air d'être dans l'aéroport. Faites le tour, je pense. Fais le tour. Ouais. Et on peut se garer là, non? Non, tournez à droite là, faut rentrer, c'est encore à l'autre bout de l'aéroport. Ah, faut rentrer dans l'aéroport? Là, ça rentre aussi. Là? Non. Comme ça? Non, surtout pas. Hop! Allez, on y va! Je recule! Docteur Maison, on a un problème. Ah, dites-moi, Docteur Holloway. J'ai laissé le volant à Groot. On est dans le métro, Docteur Maison. Vous dites dans l'aéroport, on va dans l'aéroport, écoutez. Et vous arrivez plus à sortir? On n'arrive plus à sortir. Ah, on a d'autres messages d'urgence. Si c'est passé dans un sens, ça passera dans l'autre. Ah, c'est vous qui l'avez envoyé? Bah oui, parce qu'on est coincé. Mais non. Mais c'est qu'une illusion. Ah oui, mais en fait ça passe pas rapport au fait que le toit est beaucoup plus bas en fait. Tu vois? Ouais. Ah ouais, c'est lui qui m'a dit, hein. Bah c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit, hein. Bon bah, je suis désolée docteur, je crois qu'elle est coincée. Ah oui. Mais de toute façon, vous en avez d'autres, non? Non mais on va la débloquer, attendez. Vas-y, braque à droite. Braque à droite à fond. Oh non. Tout va bien. Attendez, Allez. Non mais ne fais rien. Il est en dessous. Reculez docteur. Allez. Let's go. Ah ça fume, hein. Ah, on se croirait à un festival de... Hein? J'ai cassé les phares! Vous comprenez ce que je veux dire? Mais tu sais quoi, on a qu'à dire que c'était un stage d'art contemporain, et puis voilà. Oui, allez. C'est ça, hein. Mais c'est pour critiquer cette société de merde, où on envoie les médecins, mais au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que les médecins, ils sont coincés, voilà. Parce qu'on leur donne pas assez de place pour vivre aux médecins. C'est une œuvre prenante! C'est prenant parce que ça montre que la société, elle a qu'une taille standard! Mais je vais dire, c'est pour les malades. Oh! Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Laissez son véhicule à la dame. Laisse-la. Je suis pas très bien, par contre. Attends le docteur Maison, on attend le docteur Maison, d'accord? J'ai un peu mal à l'épaule, mais ça va. Il se passe des choses en haut, là. Mais mon Dieu, comment vous avez fait? Mais comment ils ont fait. Non, mais c'est pas... C'est... Il est où, votre frangin? Je sais pas où il est. Daniel! Mais c'est un exploit. Ouais, on l'a fait tout seul. Bah oui, je vois ça, oui. Je suis à la fois impressionné et... Ah bah il est là, le médecin. Ah, il y a votre frère. Bonjour, docteur. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, Daniel, je sais pas. Monsieur Allez, Maison? On va rentrer à l'hôpital, on va tous partir. On va rentrer à l'hôpital. Il y a plein d'appels. L'autre, il est ronchon, hein. Vous êtes plus sympa, hein, monsieur Maison. Je sais pas ce qu'il a, l'autre, mais ça doit être une petite carence de fer. Faudra checker, hein, parce que... Non, on sait, on est médecin. Bah oui. Permettez-moi d'en douter.
Écoutez, on est médecin, d'accord, pas pilote de Formule 1, donc on va redescendre. C'est nous les stagiaires. Hein. Vous êtes chargés de nous. Vous avez le permis de conduire. Bien sûr qu'on a le permis. Bien sûr. Vous avez acheté les permis, docteur Maison. Bien sûr qu'on a conduit. Pour qui? Tout de suite. Mais il est à contresens, le docteur Maison, là, non? Mais ce qu'il veut, monsieur Maison, parce qu'il a raison. Il y a un appel d'urgence. On va les soigner. Il nous prend de haut, hein. Ouais, je suis d'accord. Devait être notre mentor, pas celui qui nous écrase. Et c'est souvent, les gens le confondent souvent, et des fois ça fait des dégâts à vie. Bah oui, moi je me souviens une fois au CP, enfin non, c'est trop tôt encore, je peux pas vous en parler. On tourne beaucoup. On me rappelle quand on m'avait tabassé la gueule, c'était pareil, ça tournait pareil. Oui, ça tournait beaucoup, et... Je suis pas attachée. Excusez-moi, alors, petite leçon de vie, messieurs. Ne regardez jamais derrière vous. J'en prends notre docteur. On y est. Mais on le connaît. Oh non, pas lui. Oh non. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, on vous connaît pas, on vous a jamais vu. Non, comme ça. On peut faire. On est stagiaire, je peux faire. Comment je fais? Tu fais ton menu, tu vas dans le calepin F3 qu'on t'a donné. Et je le soigne ou je le réanime? Tu le réanimes. Allez, c'est parti. J'ai pas de poche de sang. Ah bah c'est bon, il est soigné le monsieur. Il est soigné le monsieur. Vous voyez que le monsieur a des brûlures? Ouais, je... Ouais, il a bu la mauvaise bière. Ah non, on pose pas de questions, y a pas de problème. Ah oui, non, nous ça nous intéresse pas. Hein. Bon, ouais, vous avez une petite commotion, hein, c'est normal. Il s'est passé quoi? J'ai vu une grande lumière. Daryl, je veux pas savoir. Non, nous ça... C'est bon, on veut pas savoir, Daryl, on veut pas savoir. Bonne soirée. Oh, regarde. Waouh. Viens. Mets ta ceinture. T'es trop cool. Attends, je peux faire des donuts? Oh ouais, vas-y. Ah bah non. C'est parce qu'il pleut. C'est parce que moi aussi je suis un gangster. Ils n'ont jamais enterré, Daniel. Je vais faire crisser les pneus. Et que ça crisse. Tu veux que je chante une chanson, Daniel? L'ambulance, elle est... Bah, je sais pas, moi, j'ai mis le colis, je pensais que... Mais c'est pas grave! L'ambulance, elle était coincée! Mais c'est le sale docteur qui nous a mis dans ce pétrin! Est-ce que t'as déjà pensé à faire un télécrochet? Oh oui, on demande d'être stagiaire de télécrochet. Waouh! Waouh! On a d'autres appels, hein, messieurs. Va leur dire! Waouh! Oh putain! Tout va bien! Bien! On va faire l'appel d'urgence, ok, je le prends. On va leur montrer. Mais c'est à qui la mini? Mais non, mais c'est pas à nous. Allez, venez messieurs, venez. Non mais c'était pour s'assurer que c'était en conforme. On s'en va. On a pris l'appel. On va retourner d'abord au SMS reprendre une ambulance toute neuve. Mais en fait, on est les seuls médecins dans cette ville. Vraiment? Bah j'ai l'impression, non? Il y a Dr White. Vous êtes des jeunes pupilles. On est des jeunes pupilles, pardon? On est des médecins. On est des médecins, monsieur. Oui, docteur Maison, je vous propose qu'on parte en hélico pendant que... Oh, oh ouais! Alors, par contre, alors... licence d'hélicoptère, malheureusement, ça ne sera pas possible. Je l'ai. Je pensais que vous étiez des gens cool et que vous étiez pas autant à cheval sur les règles. Pour l'ambulance, on veut bien faire une exception, mais pour l'hélico... C'est okay, vraiment pas cool. Ah, moi, j'avais dit la ceinture, hein, je l'ai dit. Ça va bien. Je vais bien. Tu vas bien, Antoine? Maman, elle m'a toujours dit, c'est j'ai vrai. Le crâne solide. Ah bah, y'a déjà les collègues, y'a déjà le docteur White. Ah bah, on peut leur prendre leur ambulance? Je crois que ça se fait pas. Non. Allez, prenez l'ambulance, messieurs. Oui, vous m'entendez? Ouais, je conduis. Tu veux conduire? Non. Ok, je conduis. Bah, si tu veux, tu fais l'aller, je fais le retour. Vas-y. Y'a eu un problème. Mais on a pas dit, je fais l'aller. Viens. Attends, mais je viens. Viens. Mais on n'a pas d'appel. Attends. Mais tu m'as dit je fais l'aller. Ouais, bouge plus. Comme ça, on peut se parler. Il faut qu'on prenne... On prend chacun un appel, puis on... Non, on prend le même appel. On prend le même appel, puis on y va ensemble. Mais quand tu prends un appel, ça le donne pour nous deux? Ouais. Ok, bah vas-y. Ah, mais ils ont tous été pris, les... Mais il n'y a plus d'appel, hein. Il y a tout qui a été pris, hein. Bah viens, on se balade. C'est quand même super. T'as oublié de mettre ma ceinture? Oh non, j'ai perdu Antoine. J'ai perdu Daniel. Mais arrête. Ça va, Daniel? Tu vas pas bien? Attends, il prend prends l'appel. Ok. T'as pris l'appel? Il a roulé sur quelqu'un. J'ai sauté quelqu'un. Pardon. Ça va? J'ai pas fait exprès. Bonjour à tous. Mais on a un appel en attente, là. Désolé pour la dame. Mais y a pas de problème. Il a dit y a pas de problème. Je la réanime, attends. Ah, tu peux l'aider? Ah bah il faut. Ah bah oui. Ah bah oui, on est médecin. Bah sinon va là-bas et puis je te rejoins. Je leur dis que j'arrive, attends, je les appelle. Bon bah elle a décidé de faire la sieste, la dame.
Il répond pas, allons-y, c'est pas grave. Bah en même temps, s'il est mort, ah c'est mais, normal. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon bah voilà. Bah en fait, je ne sais pas. J'étais comme vous, je suis arrivée et j'ai vu qu'il s'était passé quelque chose avec l'ambulance et l'ambulance vient de repartir. Ok, cette fois on y est bon. Je vous entends pas. Ah ouais? Non, je vous entends pas, votre voix a un souci. D'accord. Si je vous traite de connard, par exemple, vous entendez pas. Ah ouais. Oui. Bon, alors, il faut que je retrouve Daniel. Antoine, Daniel, c'est moi. Ouah, le mur. Alors, attendez, hop. Non, mais faut que je retrouve Antoine, en fait. Ça va pas du tout. Ah, mais y a beaucoup de... Hein? Ouais. Il se passe beaucoup de choses d'un coup, là, non? Oui, je reçois mon propre appel, oui. En fait, le problème, c'est que j'ai pas le numéro d'Antoine. Je vais prendre un autre appel. Un homme s'est blessé en travaillant. Oh, pardon. Ah oui, mais moi, j'ai pas le permis, hein. Ok. J'ai vu une ambulance, là, non? Là. Y a personne, là? En plus, c'est une grande ville, quoi, donc je sais pas comment on va se retrouver, hein. Si j'ai la sirène, on peut me rien me dire si je casse des trucs. De toute façon, si j'ai des problèmes, c'est le problème de... du docteur maison, hein. Moi, on m'a dit, tu prends... Donc moi, j'ai pris. Et tel est pris, je croyais prendre. Mais faut pas s'arrêter comme ça! Ah, mais c'est parce que j'ai la sirène! Il me laisse passer! C'est incroyable, mon pouvoir est sans limite! Cassez-vous! Oh, la ceinture! Ils viennent pas! Bon, je respecte le code de la route désormais. Ah oui, mais je suis une ambulance, donc en fait, j'ai pas de code de la route pour moi. Il fallait aller à gauche, droite! Moi, si j'avais su. Radar automatique, j'ai été flashée! Merde! Mais je suis une ambulance, on flash pas les ambulances! Mais y'a un... C'est un avion qui est là? Ah, pas du tout, qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est un chien géant. J'espère que je suis pas chez des gangs, là. Et où est-ce que je vais? Ils sont là-bas? Ils sont là. Ouais! Au secours! Moi, je le fais au plus vite, hein. Secours! Ok. Oh, mon nom. Regardez comment il est allongé. C'est encore cette vertèbre, putain. Et tout le monde a des problèmes à la vertèbre 12, c'est quand même amusant. Boum, 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 boum. Oh bah merci. Oh bah allez, ça faisait un petit moment que j'attendais. Je me suis un peu laissé embarquer. Bah l'ambulance est quand même super chouette. Bon, viens vite, je te ramène à l'hôpital. Ouais, je veux bien, merci. Oh là là, mais comment t'as pu faire ça? Je sais pas, j'ai perdu l'ambulance du coup. Mais t'as un diplôme, non? Oui. Bien sûr. Je suis stagiaire en fait. Ah, tu l'as eu dans une poubelle? Bah non, c'est docteur maison qui me forme. Tu veux me former sinon? Moi je suis d'accord, hein. Ouais, non, la flemme. Alors, on va aller à l'hôpital. Parce que je crois que j'ai un peu raplapla. Mais tu respires bien. Ouais, mais en tout cas c'est vraiment une super journée, hein. Franchement, okay. J'ai appris plein de choses. Mais t'as quel âge? J'ai 21 ans. Et okay. Puis j'ai perdu mon cousin Daniel et en fait il a pas de téléphone. Ah, il a pas de téléphone ton cousin? Non, j'espère qu'il sera à l'hôpital. Bon, on se l'est fait voler, le téléphone. Quelqu'un qui voulait nous vendre des bouteilles de vin, puis on a dit ok. On s'emballe le téléphone, puis en fin de compte, on l'a pas eu. Et vous êtes fait voler où? Oh, c'était il y a longtemps. C'était un monsieur avec un très grand chapeau. On rentre à l'hôpital. Ouais, merci beaucoup. Merci, hein. Merci. Franchement, j'admire de ouf ce que vous faites. Allô? Docteur Cox? Oui, qu'est-ce qu'il y a, oui? J'ai perdu mon cousin, encore. Ah, vous êtes blessé, non? Oui. Mais tenez, ça c'était pour vous, j'avais oublié de vous le donner. C'est le fameux café, c'est ça? Oui, c'est pour le jour où on sera vos stagiaires avec mon cousin. Excellent, c'est vrai que là maintenant, après une heure, il doit être bien chaud comme j'aime. Bon bah j'ai perdu mon cousin. Bonjour. Vous avez appelé des médics? Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Ils parlent pas trop, hein? Ah, ils m'entendent pas. Vous allez bien monsieur paramédic? Oh non. Oh non. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous soigner ou il a l'air super con lui, non? Et sautez si vous nous entendez, monsieur le paramédic. Attendez. Juste pour savoir si vous êtes sourd aussi. Oh merde! Oh, oh merde! Bien joué, monsieur le paramédic. Allô? Il l'a mérité celle-là. Allô? Oh, c'est très gênant. Bon, il va te faire une facture, ok? Je pense pas, en fait, t'as mis une vraie patate, il mérite pas de facture. Je m'en vais, c'est très gênant, je m'en vais. Mais moi, je suis stagiaire de base. Oula! Allô? Mais au secours!
Oui, il m'a rendu mon truc, hein. Non, mais c'est faire, je comprends. Il me recourt dessus, mais... Je peux plus courir, en fait, parce qu'il m'a fait trop mal. Je vais mourir ici. Ah, mais attends, je peux appeler les ambulances, non? Je me suis cachée dans un buisson parce qu'ils me font peur. Ok, on s'en va. Alors là, la mission, c'est de retrouver Antoine. Hey, je vais aller appeler une ambulance. Ah bah c'est ça là, parfait. Oh bah j'ai pas les clés. Je vais chercher une, c'est pas grave. Mais j'ai vraiment pas son numéro, mais je suis con comme un... Comme tout. Ma maman elle l'a déjà dit. J'ai dit ok, mais... Je suis débrouillard, elle m'a dit non. T'es juste con comme tout. Et j'aurais dû l'écouter. Ah, y'a plus que des camions de pompiers. C'est pas grave, on va faire un camion de pompiers. Ok, dès qu'on voit une ambulance, on s'arrête. Mais j'ai qu'à appeler docteur... J'appelle monsieur Maison. Oui, allô? Oui, monsieur Maison. Alors, il n'y avait plus d'ambulance, donc j'ai pris un camion de pompiers. Et où votre ambulance? Alors, elle m'a tué? Mais monsieur White, il est venu m'aider. Oui, mais où votre ambulance? Bah, elle était plus là. Je pense qu'on me l'a volée. Où est votre frère? Monsieur, justement, je vous appelle pour savoir si vous l'aviez vu. Ah non. J'ai perdu Daniel. Et il n'a pas de numéro de téléphone. Ok, c'est compliqué, on va chercher votre frère. Ouais. Je suis en camion de pompiers, je suis vers l'hôpital. Alors attends, on va vous chercher avant l'hélico. Rangez le camion. Ok, je vais ranger le camion. C'est ici, je crois que c'est par ici. On doit aller où? On va au côté garage pour chercher le frangin. Ils sont où? Attends, faut pas qu'ils sortent une ambulance ici. Hein. Mais pourquoi il y a un camion de pompiers? C'est écroute. Oh mon dieu. Pardon. Allez-y, rangez le véhicule, allez-y. J'essaye. Hop là. Aïe. Mais... Je suis désolée. Je pense qu'on va retourner à l'hôpital. Je vais faire du stop. Un petit Uber. Qu'est-ce que c'est que ce gros truc là? Ah mais c'est vraiment un dino qui mange un hot dog. Waouh! Ah c'est beau hein. Ah c'est beau. J'aurais vu des choses aujourd'hui. Bon alors comment j'appelle un taxi moi? Ah. Rapide taxi. Bonjour. L'hôpital, merci. Merci bien. David Squares, je voudrais bien aller à l'hôpital. Venez me chercher, j'ai peur. C'est quoi? C'est le 5782. C'est quoi cette sonnerie? Comment je décroche? Allô? Allô, ouais, allô, monsieur Schwartz? Ouais, oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, monsieur. Vous voulez aller à l'aéroport, c'est ça? À l'hôpital. À l'aéroport? Oh, ouais, aussi, vas-y, ouais. Vous avez une position? Vous êtes où? Je sais pas, j'ai peur. Vous avez peur? Non mais en fait, je vous explique la situation. En fait, j'étais en stage en tant que paramédic et on m'a laissé tout seul aller m'occuper de gens et en fait, c'était pas des gens gentils. Et maintenant j'ai plus d'ambulance et je suis au milieu de nulle part et il y a un grand dinosaure violet avec un. Qu'est-ce que c'est? C'est un hot-dog? Oui, c'est un hot-dog. Je pense qu'on peut dire c'est un hot-dog. Ouais, on s'en fout. Tu fumes de la weed un peu ou pas? Ouais, mais c'est pas le sujet. T'as de l'argent sur toi? Oui. Envoie-moi ta position, j'arrive. Mais je suis pas sûre parce que tu me fais un peu peur maintenant aussi. Vas-y, envoie-moi ta pose, j'arrive. Ok. C'est mort. Vas-y, j'y vais à pied. C'est bon. Et je lui donne pas ma position, moi. Et je m'en vais, hein. Je lui ai dit où j'étais et tout, là. Non. En plus, il fait nuit, je vais croiser des coyotes et tout. Je suis désolée, j'arrive. Je suis médecin, je peux vous aider. J'arrive. Désolée. Aidez-moi à masser. Oui, je... Je vous passe le relais, allez-y. Oui, je suis désolée, monsieur Maison, en plus vous êtes très patient avec moi. J'ai pas de poche de sang, je peux pas le réanimer, mais je peux le soigner, voilà. En tout cas, merci d'être aussi patient avec nous, on sait qu'on peut être un peu coriace. Oui. Mais en tout cas, on est très motivés, hein. On est très motivés. Ah, je vois ça, oui. Allez, venez, on monte. C'est parti! Oh, c'est trop bien! On va chercher, c'est l'hélico pour chercher Daniel. Pauvre Daniel qui est tout seul depuis avant. On peut mettre la musique? Vous en avez? Non. Avec la musique des Valkyries, on se serait cru comme dans un truc d'action. Ah oui. Vous pensez qu'on va pouvoir trouver Daniel? Oui. Est-ce que vous avez pas des contacts? Vous pouvez appeler et vous demander s'ils ont trouvé quelqu'un de très très chiant. Parce que c'est comme ça qu'on nous appelle souvent, les très très chiants. Bah appelez, tu vous dites de vous. Vous avez vu Daniel Kroot? Tu peux appeler les policiers aussi peut-être? Ouais. Oh, attends, on a reçu un appel. Alors, mon cousin a disparu. On prend l'appel. Okay. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Mais laisse te dire. C'est monsieur Kroot. J'ai perdu mon cousin. Oui, mais alors, vous êtes où? Parce que nous, on a besoin de savoir où vous êtes. Hein. Nous, on est dans les airs, là. Dans les airs. Mon voltige en hélico, c'est super beau.
Non mais attendez, vous avez perdu votre cousin dans les airs ? Non, mon cousin, il a disparu dans la ville. Et mais attendez, votre cousin a disparu, mais vous êtes dans les airs en train de faire de l'hélico, ça n'a pas de sens. Oui, on essaye de prendre de la hauteur pour voir plus clair. Mais c'est juste, c'était pour dire, si vous le voyez, dites-moi. Oh non, il y a un monsieur qui s'est fait écraser par une voiture, faut que je m'occupe de lui. Ok, pas de soucis. Écoutez, on se tient informé. Hein. Oui, on se tient informé, je vous rappelle. C'est quoi ce bordel? Est-ce que c'est une bonne idée de suivre les rails? Oui, hein, je pense. On va faire ça. Si je retrouve l'aéroport, c'est incroyable. Si je retrouve Antoine, c'est encore pire. Comment ça se fait qu'il soit si lent? Vous pensez que je peux sauter sur le toit de quelqu'un? C'est dangereux quand même, hein. J'aimerais bien qu'il y ait un pick-up et genre que je monte dans le pick-up. Oh, je vais faire ça. Je vais choper un pick-up et je vais monter à l'arrière. T'es pas un pick-up, toi? Elle sent bon. Elle sent vraiment très très bon. Oh, c'est vrai, il y avait David! Oh, c'est le même mec. C'est mort. Ok. Putain, il a mon numéro maintenant, c'est la merde. Il va me retrouver, il va me défoncer. On en parlera plus tard de ça. J'ai besoin d'une voiture. Recule pas. Il va s'arrêter. On va aller choper David. Et puis j'ai peut-être pu vendre 2-3 pochons. Faut que je sois galant, faut que je sois gentil. Bonjour. Yo. Oh my god, no. Allez. J'avance un peu, on se gare et je vais à l'hôpital. Il faut que je trouve le docteur Maison pour lui demander le numéro de mon cousin. En tout cas, si je le retrouve... On va m'entendre. Bon, pourquoi ça sonne dans tous les sens, là? Ouais, non, c'est des gens que je connais pas, ça m'intéresse pas. David! Le gros dinosaure. David? Ouais, j'ai bien le niqué. Inconnu. C'est mort. Ah non, je veux pas lui répondre. Donc je sois plus doux avec les clients. C'est pas du tout l'hôpital, ça. Mais qu'est-ce que c'est? Vitamine. Mais c'est une pharmacie. Il est parti, David. Meanwhile. Monsieur Maison, c'est un peu le bordel. Il est où? Oh mon dieu. Attendez, mais j'ai qu'à appeler aux urgences. Daniel le verra. Attendez, mais regardez. Mais regardez. M'appelle. Cher ami. Mute. Cher ami. Non mais non, cher ami. Regardez. Ah. Eh oui. Mais on m'appelle. Mais aïe. Attendez, mais je... Mais arrêtez. Vous savez, monsieur Maison, quelle est sous votre responsabilité? Et que c'est la 27ème connerie qu'elle fait en 25 minutes. Pas fait que... Non, il me forme et il a de la patience et je trouve que c'est beau et que c'est beau de voir ça chez les gens encore maintenant dans notre temps où tout le monde est toujours trop pressé et n'a jamais le temps de rien. Bravo monsieur Maison, c'est remarquable. Ouais, c'est moi. Prenez pas l'appel, c'est pour Daniel. Je bloque un peu la route peut-être. Oh non, madame, ça va? Pardon. Pourquoi Daniel il répond pas? Il va bien Daniel? Il me manque. Je vais aller aider. Tant pis, je vais aider moi. J'ai la clore sur la main. Je reviendrai. Ouh! C'était pas loin. Ça va. Franchement, ça va. Ok. Ok. Bah oui, mais je vais reprendre mon ambulance. Je vais les appeler pour dire que j'arrive. Allô? Bon, bref, on est en route. Hein. Ouais, on arrive, hein, vous inquiétez pas. La santé arrive. On a un beau métier quand même. Je pense qu'il faut pas l'oublier. Et je pense que... Ah, bravo à moi. Ah, j'étais mute. Allô? C'est quand même trop cool l'ambulance, par contre. Pendant ce temps... Ça va pas, non? Attendez, mais il se passe des choses, là. Je me casse. J'ai volé une bagnole et tout, non. Moi, quand j'étais petit, ma maman, elle me disait « Si tu te perds, tu retournes au point de départ. »
Donc moi je vais aller à l'hôpital. On va reprendre une voiture. Ah je savais pas ça. Mais qu'il est con. Merde. Discrétion. Ah y'a un coiffeur là-bas. Attendez, je suis chez le coiffeur. Waouh. Oh je suis dégueulasse. Oh j'adore. Est-ce qu'on voit qui a appelé? Grégoire Maison. Il y a 4 minutes. Mais c'est le docteur Maison ça du coup non? D'accord. Bon, on va aller à l'hôpital hein. Je me suis trompée de muscle. Oh. Antoine Prout. Cyprès s'est pris ici. Mais il pense que c'est pris à cause de l'ambulance. Il pense que c'est pris. C'est l'ambulance qui est accidentée. Attendez, par contre, je crois qu'on va voler au 8808 parce que je crois qu'il y a un problème. 8808 parce que je sais pas ce qui se passe. Il y avait une ambulance pourtant. Ben oui, mais attendez, 8808. C'est croûte. C'est Daniel. Oh seigneur. Oh, c'est un bruit d'hélicoptère. Il a pas mis sa ceinture. Ça y est. Je vais lui péter la gueule, bougez pas. Au 20 au garnement. Au garnement. Je savais qu'il a la ceinture. Mais il est où? Ah, je crois que j'étais trop fort. What? Ah, je crois que c'est les unités X qui l'ont récupéré, docteur Maison. Je vais aller voir docteur Croûte. C'est dommage parce qu'il est arrivé enfin, quoi. Pourquoi il me frappait, monsieur Maison? Docteur Croûte! Oui, mon enfant, où êtes-vous? Alors, elle s'est peut-être bloquée encore dans un lit. Docteur Croûte! Ok, c'est reparti! Ça, c'est parce que monsieur Maison, il m'a tapé, hein. Moi, je vous le dis, hein. Oh putain, j'ai entendu bruit. Oh! Monsieur Maison! Docteur Croûte, vous étiez où? Oh, vous m'avez manqué! Bah, je suis mort sur la route je me suis remis tout seul. J'ai un peu galéré, mais je suis là. Formidable. On trouve pas votre frère, par contre, c'est terrible. Oh, je vais le trouver. Mais où? Je trouve rien, je suis au bout de ma vie. Oh! Daniel? Ah, c'est toi? Oh putain! Mais ça fait 20 minutes que je te cherche! Daniel? Tu m'entends pas? Je t'entends pas. Ah ouais. Qu'il est con! Il voit bien que j'ai un problème, il me tape! Je crois que j'ai retrouvé mon frère, je suis pas sûre, il parle pas! Il est muet! On a retrouvé le frangin, ouais. C'est lui que je voulais taper! Mais c'est mon cousin, ça, c'est familial, c'est gentil! J'ai le cœur brisé, vous savez. Ah, j'ai le cœur brisé, là. Mais cœur brisé, le lui, pas moi! C'est lui qui m'attaque! Je vais reboot le jeu, je pense. C'est Antoine et Daniel! Suivez-moi, les amis! Et tu nous dois du vin, tu l'oublies pas, toi, hein? Je me rappelle de vous. T'inquiète pas, tout honneur, tout honneur. Montez dans le camion, sinon. Monte, ouais, t'inquiète pas. Fabien, tu cours à côté du camion? Vas-y, non mais allez-y, en vrai je vous suis, ça me dérange pas du tout, en plus ça me permet d'être un peu sportif. Fab, mets-toi sur le toit du camion, on va t'emmener au club. Je me suis mis à l'arrière, si jamais je tombe, je te le dis gros. Ok, alors attends, nous allons aller au Paradise. En plus le soleil se couche, l'heure parfaite pour aller cluber. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous clubez? On s'enfile plein de petits verres et puis on se régale, on danse, on fait la fête quoi. Mais est-ce que ça vous arrive de prendre autre chose que de l'alcool? Non, on fait pas de ça par chez nous, pourquoi vous oui? Non, il se pourrait qu'à l'hôpital, on ait des choses. Ah oui! Non, disons que... Parfois, pour calmer la douleur, il faut savoir se faire plaisir. Mais si vous avez de la morphine, moi, je suis bouillant! Écoutez, on en parlera plus tard, après avoir discuté... Bien sûr. Mmh. Allez! Bah tu vois, va bien que ça s'est bien passé! Je pense que je vais peut-être cluber vite fait. Allez, suivez-moi, c'est par ici. Fab, ils nous volent notre camion! Mais ils veulent quoi avec les camions? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Donatien, là, c'est quand même bien une enflure, hein. Si par exemple une personne avait trouvé un gros camion rempli de denrées rares, qu'est-ce qu'il peut en faire? Donatien de Montazac ne laissera pas ça passer! Ils se font braquer! Vous m'avez trahi ma confiance, vous n'avez pas cru en moi, cher. On va vous fouiller, mettez-vous sur le mur. Fab, notre domaine est en feu! Ouais. C'est les croûtes.